Anders, Annette, elle va courir samedi. Elle est dans une forme resplendissante. Oui, elle est bonne du monde, très bonne du monde. Et c'est ce prix, d'une façon, elle est une évolution magnifique. Elle est progrès. Et maintenant, c'est avec les mâles, elle est super course dure. C'est peut-être faire une course un peu passive. Mais elle est toujours un bon finisseur. Et l'objectif, c'est les semi-classiques pour les femelles. La dernière fois, elle a fait un truc parce qu'elle a fini avec une roue déjantée. Oui, elle est incroyable. Mais elle est mieux sans mieux. Elle est débutée presque pour dans 6 mois, 7 mois. C'est pris 140 000. Tu peux revenir sur le travail que tu lui as donné ce matin? Vous êtes allé sur la piste du château? Oui, c'est très tranquille. C'est une show pour vous dans le film. Normalement, elle toujours travaillait gentiment et dans la ligne droite. Maintenant, c'est plus facile pour vous filmer là. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? 2002, c'est ça? 2002, c'est 35, 30 et fini un peu plus vite. Mais c'est toujours travailler gentiment. Viens comme moi, elle aime bien la cantine. L'objectif, c'est de la maintenir en condition. Là, tu l'as dit, c'était pas un vrai objectif samedi, mais quand même, tu vas pas l'empêcher d'être dans les trois premières. Non, 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 c'est tout est possible avec son qualité, mais. Elle progresse chaque course. Elle n'a jamais travaillé dur. Elle est toujours faire doucement comme ça dans l'entraînement. Elle est mieux et elle court rapprochée. Donc, on se résume. Samedi, elle peut déjà prendre une bonne place. Elle va faire la ligne droite. Et ensuite, l'objectif, c'est le semi-classique fin août à Vincennes. Oui, c'est d'accord. Mais c'est une avance pour elle, un gain. C'est une longue ligne droite. Elle aime bien les longues lignes droites. See you again.